Salut à tous, c'est l'docteur Yétéou Miguel, votre pharmacien, et dans cette vidéo, nous allons parler des cycles courts. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous ayez un cycle menstruel court? Il faut dire que la plupart des femmes ont un cycle menstruel qui dure entre 21 jours et 35 jours. Donc, au-delà de 35 jours, généralement, on considère que le cycle est trop long, et en deçà, c'est-à-dire à moins de 21 jours, on considère que le cycle est très court. Donc, voyons ensemble les raisons possibles du raccourcissement de votre cycle menstruel. La première raison dont nous allons parler, c'est la puberté. En effet, la puberté est le moment où la jeune fille va commencer donc à voir ses règles, à voir ses cycles de manière régulière chaque mois. Et il faut dire que c'est pendant cette période qu'elle peut avoir des irrégularités menstruelles, soit un cycle long, soit un cycle court. Parce que justement, pendant cette période, son organisme est en train de s'habituer, de s'adapter à ce nouveau fonctionnement qu'elle aura pour les 20 à 30 prochaines années de sa vie. Et l'autre période aussi qui peut être caractérisée par l'apparition de cycles courts, c'est la ménopause, qui se caractérise par la fin des cycles menstruels. Donc, la préménopause, qui est la période qui mène donc progressivement à la ménopause et qui peut durer 5 à 10 ans, peut donc vous faire connaître certains changements hormonaux qui pourraient faire en sorte que vous ayez donc un cycle trop court comparativement au cycle que vous aviez l'habitude d'avoir avant cette période. La troisième cause possible, c'est l'obésité. Vous savez en effet que les femmes obèses ont un risque élevé d'avoir un cycle court parce que l'obésité est liée à beaucoup d'œstrogènes. Et comme nous savons tous, l'œstrogène, la progestérone sont des hormones qui sont impliquées dans la régulation de l'activité des ovaires et donc du cycle menstruel. La quatrième cause possible, c'est le stress. En effet, le stress impacte négativement la majeure partie des fonctions vitales de notre organisme et notamment la fonction sexuelle, la fonction reproductive chez la femme. Donc, si vous êtes trop stressé par le travail, par les études, par les enfants, par la famille, cela pourrait vous faire avoir des perturbations de votre cycle menstruel. La cinquième cause possible de raccourcissement du cycle menstruel, c'est certains médicaments, tels que les médicaments qui sont donnés contre l'anxiété ou les médicaments anti-épileptiques, donc pour combattre les crises épileptiques, ou encore certains médicaments anti-inflammatoires. La sixième cause possible, c'est les fausses couches, c'est-à-dire la perte brusque du fœtus pendant la grossesse. La septième cause, c'est l'amaigrissement. Donc, si vous perdez le poids de manière brusque, de manière rapide, cela peut causer un cycle court. Et cet amaigrissement peut être associé à la malnutrition, donc si vous vous alimentez mal, ou encore à un exercice physique intense et excessif. La huitième cause possible, donc, c'est la grossesse. En cas de grossesse, il peut arriver chez certaines femmes de saigner bien avant leurs règles. Ce saignement est notamment appelé saignement de nidation, le saignement qui a lieu lorsque l'œuf s'implante dans votre utérus, qui n'a rien à voir avec le saignement normal des règles. Parce que les règles, c'est plutôt lorsque la paroi de l'utérus est détruite et puis est éliminée sous forme de saignement. Et vous pouvez aussi avoir un cycle court, notamment en cas de grossesse ectopique. Donc, la grossesse ectopique se caractérise par le fait que l'œuf ne va pas s'implanter dans l'utérus comme normalement, mais va s'implanter en dehors, par exemple dans les trompes de Fallope, et ce qui pourra causer donc des saignements qui seront des saignements différents des saignements des règles et qui vous donneront l'impression donc que vos règles sont arrivées avant le temps. La neuvième cause possible de saignement avant le temps, c'est-à-dire de cycle court, c'est l'allaitement. En effet, pendant l'allaitement, votre corps produit la prolactine, qui est une hormone qui est responsable de la montée des tensions de la production de lait, ce qui vous permettra donc de nourrir, de fournir suffisamment de nutriments à votre nouveau bébé. Mais cette prolactine pourra causer des perturbations du cycle menstruel chez certaines femmes qui verront leurs règles avant le temps. La dixième cause possible, c'est les kystes ou le syndrome ovarien polykystique. Et pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite précédemment où j'ai donne des explications détaillées des kystes. Et la dernière cause dont nous allons parler dans cette vidéo, c'est les troubles ou les maladies liées à la thyroïde, qui est une hormone qui est située au niveau du cou et qui produit des hormones thyroïdiennes, à savoir T3 et T4,
qui sont responsables de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble de l'organisme et donc aussi de l'appareil génital féminin. Il faut dire qu'une femme sur 8 qui a des problèmes de cycle menstruel court souffre aussi généralement des problèmes de la thyroïde. Voilà donc les principales raisons possibles pour lesquelles vous avez vu vos règles avant le temps. Si jamais cela se répète, ou alors si vous soupçonnez l'une de ces causes, n'hésitez pas à vous faire consulter par votre gynécologue qui vous permettra d'en avoir le cœur net et certainement d'éradiquer une pathologie ou un trouble qui sera associé à cela afin que vous puissiez retrouver votre régularité menstruelle. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à ne pas oublier de vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai faites sur les problèmes de menstruation ou les problèmes de toilettes intimes.